Thank you.
La pièce suivante, Honte Paour, est une ballade de Guillaume de Machaut. Il s'agit d'une sorte de manuel de bonne conduite des femmes au XIVe siècle. On y apprend qu'il faut être sage, avoir du maintien, être tempéré et honnête. Il faut aussi ne pas désirer attirer et surtout être une amoureuse couarde. Si elle parvient à intégrer tout cela à son comportement, alors la femme peut garder son honneur. Thank you.
La cantiga qui suit raconte un miracle de la Vierge Marie. Un jour, l'une de ses plus ferventes nonnes se fit piéger par le démon qui l'a mise enceinte. Dénoncée par ses consoeurs, qui la trouvaient trop parfaite et sur le point de se faire punir par le pape, elle se fit sauver par Marie qui lui retira son enfant pour aller le faire élever au loin. Ainsi, le pape n'eut rien à dire quand il découvrit la nonne le lendemain. Santa Maria.
La pièce que nous nous apprêtons à jouer relève de l'art subtilior, une sorte de quintessence d'une rythmique particulière au Moyen-Âge qui installe une ambiance mystérieuse, voire mystique, en tout cas étrange à nos oreilles contemporaines. Tout cela est propice à un texte qui nous parle de grandes figures mythologiques telles que Médée, Hélène de Troie ou encore Briséis et de leurs amours changeantes et tumultueuses.
Dans la ballade suivante, toujours de Guillaume de Machaut, on commence par nous décrire un vil serpent immense à sept têtes. Puis, l'amant éconduit nous confie que le serpent n'est rien comparé à la cruauté de la dame qui le tourmente. Ses sept têtes à elle sont refus, dédain, dépit, honte, peur, dureté et danger. Nous enchaînerons avec une chanson en italien cette fois, qui dépeindra une autre créature bien connue, la sirène. Il nous sera conté, toujours par un amant déçu, comment la dame l'a attiré avec ses douces chansons, comme la licorne attire la jeune fille. L'homme est attristé de voir qu'en une si belle femme réside tant de tromperies. Oh.
Nous finirons par évoquer la fortune, dont l'allégorie est souvent représentée par une femme aux yeux bandés, tournant la roue du destin. L'amant se plaint encore et toujours, car il sait que c'est la mort qui l'attend. Nous conclurons ensuite ce programme par une grande pièce instrumentale. Pour cette dernière pièce, dont le titre est Isabelle, je vous invite à laisser votre imagination guidée par la musique pour vous représenter la femme qui émerge de toutes les images que nous avons dépeintes dans ce programme.